Bonjour les droïdes. Et oui, vous avez eu la première partie tout à l'heure de Defender Ethic Run, et du coup j'ai décidé de vous faire ça en deux parties. Donc la première partie, vous l'avez vu, c'est la partie présentation du jeu avec un petit peu de let's play. Et là on va se retrouver plus dans un tuto didacticiel pour apprendre à manipuler notre vaisseau, pour apprendre plein de bases pour la poursuite du jeu. Et je vous ai mis le niveau 1, donc la première mission avec. Donc dans cette vidéo vous allez voir le didacticiel et la première mission que l'on fait jusqu'au boss. Et je vous donne mon avis à la fin de ce let's play, après le didacticiel et la première mission. Je vous dis à la prochaine, salut! Voilà. Et voilà. On a réussi. Voilà. On va une, maintenant trois. Ok, parfait. Ça c'est fait. Oula. Donc là, il faut là et là. C'est toujours pas. J'ai réussi à en avoir un. Pas facile de tout mémoriser. À deux. Ouais. Donc là, ça demande vachement de technique. Voilà. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir y arriver. On va voir. Non, je peux pas les avoir, donc il faut que je me débrouille. Et je peux pas utiliser mon... D'accord. Enfin, on va faire avec. Hein. Donc j'adore vraiment ce jeu. Donc là, on est plus dans une phase d'apprentissage. Ah merde, ah, évidemment. T'as raté trop beau. Et voilà, on passe à la suite. On va se recharger. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce jeu, si vous allez acheter ce jeu. Moi personnellement, je prends un réel plaisir à jouer, à découvrir ce jeu. Donc là, je spoil un peu le jeu, excusez-moi. Mais du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ah d'accord. Donc il va se multiplier... Ah. D'accord. Là, l'avantage, c'est que les ennemis ne bougent pas. Ça, c'est un gros gros avantage pour moi. Ils ont juste le, ils sont juste en rotation. Voilà. Et donc là, de manier tout en même temps, c'est vraiment compliqué. Donc, je le répète, avec le stick de gauche, je... Bah, en fait, j'utilise... Voilà. Pour déplacer mon engin. Et du coup, avec le stick de droit, ça me permet... Ah oui, d'accord, là, j'ai la barre de vie qui est là-haut. Je sais pas si j'ai... Voilà, 4. Ah ouais, carrément. Il faut vraiment faire attention. Et voilà. Ouais, je vais perdre là. Je sais pas, attention. Et voilà. Là, je vais analyser la pierre.
Énergie, ok. Ok, ça c'est fait. Donc le vert, il me reste plus que le bleu à avoir. Donc là, on va certainement... D'accord. Ah ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, c'est clairement un jeu de labyrinthe. Voilà. Là, j'ai rien à donner. Bah voilà. Hop. Là, on a réussi une. Et voilà, on a réussi. Ensuite, on continue. Hop. Oh non, 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 non. Voilà. C'est bon, on a réussi, on continue. Donc là, on va apprendre de nouvelles choses. Hop, on analyse. D'accord. Remember the rotation use normal shoot. More position. Ok. Ok, d'accord. Du joueur là. D'accord. C'est bon, on a réussi. Nickel. Oula. C'est pas un club là. C'est un peu le bordel. D'accord, je me tire tout seul. Et voilà. Hop. Donc là, on a réussi à tout avoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oula. Il y a une instabilité. Ah oui, d'accord, direct. Oula. Donc on va essayer de le tuer.
D'accord, donc là je pense qu'on va refaire tous les exercices. D'accord. Et voilà, on a réussi, nickel. Ah franchement, je kiffe ce jeu. Bon, on va continuer. Merde, je fais pas gaffe. Ça c'est fait. Du coup là on a le blanc. Facile de vous parler en même temps que de jouer.
enlève la 2. Et voilà. On va y arriver. On va y arriver. En voilà un. En voilà deux. Chaud là. Ok, donc là on a réussi ça. Du lourd, du lourd. Franchement, c'est du lourd. Excellent jeu, j'adore. Voilà, on récupère tout. Congratulations, on a réussi. Donc on va activer. D'accord. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, on a fait ce qu'on peut appeler un didacticiel pour apprendre les bases du jeu. Il y a eu quelques ratés, mais c'était un petit peu difficile, mais après ça l'a fait. N'inquiétez pas. D'accord. Ouais. On va aller dans le hangar, on va les voir ensemble. Foxus, 1, 2, ok. Anakin upgrade. D'accord. Là j'ai un Noxus, ok. Voilà, comme ça c'est fait. Et voilà. Ça je suis tranquille, là je suis en train d'augmenter mon vaisseau. Headquarter. Okay. Donc, exit, mission select. Aïe, on va recommencer enfin la mission. On accepte et c'est parti! Allez, on commence notre première mission. Oula! Allez, c'est parti pour la première mission, on y va. Donc, du coup. On va voir ce que ça donne après les phases d'entraînement qu'on a eues. On a appris à manipuler notre vaisseau et tout ça. Hop. Donc là on est vraiment tout seul. Hop, ok. On peut les éliminer comme ça pour l'instant. Ah zut, faut que je me recharge. J'y arrivais pas. Du coup, vraiment plus posé là. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, vraiment une option très intéressante.
Là, comme il bouge, c'est pas facile. On va essayer de buter comme ça. Ah, évidemment. Oula. Je peux annuler. Oula. Piel. Allez, c'est parti. Donc, rien à voir avec les musiques des shoot'em up qu'on a pu connaître. Là, c'est vraiment plus tranquille. C'est pas plus mal. Oula. On est vraiment posé, là c'est bien. Ça cartonne pas trop n'importe où. Donc là on entend que le son augmente. Ok, donc là on est tous les trois ensemble. Donc là ça va être le bordel total. On avance tranquillement. Let's go. On va s'occuper de celle-là. Pas si on peut. Non. Bon, on a réussi. Ok, ça c'est fait. Enfin, on en a encore une grosse. Ça c'est fait. Là, je peux pas les avoir ceux-là. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Hop. On attaque leur base. Je crois que tout a été détruit. Non, il reste encore un petit peu là. Je recharge. Là, il fallait que je me recharge quoi. Le choix. Et du coup, il y a un truc là dans le coin. Mais je sais pas ce... Ah oui, c'était la grosse base, d'accord. Donc j'aime beaucoup la dynamique du jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Oula, un big boss. Et après on va se quitter après ça. Donc voilà pour le test de ce jeu sur Nintendo Switch. Personnellement je vous le conseille. On va se laisser avec le premier boss qui est ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce let's play sur ce jeu là. Qui est vraiment d'une puissance énorme. Il n'y a pas à dire. Franchement moi j'adore. J'ai vraiment kiffé. Donc je rappelle, le jeu c'est Defender of Ikron Definitive Edition sur Nintendo Switch. Et là on est sur le premier boss du jeu. Donc on a vu au début le début du jeu avec les entraînements. Voilà, et là on a fait la première mission ensemble. Donc c'est tout pour le moment au niveau de la Gata TV, on va pas spoiler plus le jeu que ça. Moi personnellement, Defender of Ikron Definitive Edition, je vous le recommande sur Nintendo Switch. Il est au prix de 12,99€ sur l'eShop. C'est vraiment un excellent jeu avec une longue durée de vie que j'ai apprécié. Vous avez pu voir, on a commencé le jeu, après on a fait un didacticiel pour apprendre les bases. Et on a tout de suite attaqué notre première mission. Sachant qu'il y a aussi tout ce qui est level up de notre vaisseau. Du coup, ce qui permet d'améliorer aussi la durée de vie pour avoir un meilleur vaisseau pour pouvoir affronter les ennemis un peu mieux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui au niveau de la Gata TV, je vous dis à la prochaine. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir
le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.